Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur le nouveau, enfin pas le nouveau, pas, enfin ok d'accord, je vais dire le nouveau saga, comment on va dire, ben voilà, saga de Assassin's Creed, et qui est Assassin's Creed 3. Et donc là on est dans un deuxième playthrough et on va continuer notre séquence. En fait je me suis trompé la semaine dernière en disant que voilà on s'arrête ici dans la première séquence. Enfin non, la première séquence n'est peut-être pas encore finie. Et là, on va le finir et on va s'arrêter à la fin de la deuxième séquence. Si ça va pas être super long. Donc, on va cliquer sur cela et on va continuer notre sauvegarde qui est One Game. Donc, on est arrivé à 1% du jeu. Donc, on va continuer. Je vais un peu augmenter la luminosité, je pense, ou pas. Je suis pas sûr. Et bon, c'est pas grave. Donc, pour vous rappeler, on a assassiné un gars qui était dans le théâtre, je sais plus c'était qui en fait. Mais on l'a assassiné. Et donc là, on se retrouve à la deuxième. Voilà. On se retrouve sur le bateau le deuxième jour. Enfin, ça fait 2 jours qu'on est dans le bateau. Et on va continuer notre. Enfin, on va continuer où est-ce qu'on s'est arrêté quoi. Ah oui, on s'est arrêté ici en fait. Bon, je vais augmenter un peu la luminosité parce que là c'est hyper. Ça va être hyper hyper sombre. Général, luminosité. Voilà, on va mettre à 7. Ok, c'est bon. Bon, on va reprendre cette séquence. Et donc, on est où? Bon voilà, ici. Donc, on va monter là-haut, puisqu'il y a cette espèce de... Comment on appelle? Ce petit truc vert là-haut, je sais pas quoi. On va où là? Il y aura une cinématique, je suis sûr. Et ensuite, tout se passera bien. T'en es vraiment certain? Bien sûr. Est-ce que je t'ai déjà menti? Non, mais ça plaît pas beaucoup aux autres. Aie confiance, mon ami. Tu verras. Eh bien, on dirait que notre prestigieux invité nous fait l'honneur de sa présence. Tu devrais regagner tes quartiers. Les mauviettes n'ont pas leur place sur le pont. Oh. Et pourtant, vous êtes là. Un baston, ça va commencer. Voyons si tu trouves ça drôle. Ça suffit, Greg. Allez, baston. Alors, c'est notre premier combat. Donc, avec ce nouveau personnage qui s'appelle Ethan. Allez. Vas-y, viens. Comme ça, allez, c'est bon. Tiens ça. Tiens, coup de boule. Allez. Regardez-moi ce petit tyran. Qu'est-ce qu'il croit? Qu'il peut s'amener ici et jouer les seigneurs? Ça va, les gars. Ça suffit. Le capitaine vous voit. Qu'il aille au diable, le capitaine. Et toi aussi, Mills. T'es dans quel camp pour dire ça? Allez. Ah, ça commence bien les combats, non? Allez, grave. Esquive. Oh là là. Ça, c'était cool. Hein. J'adore le type de bien combat là, qu'il y a. Fort peu judicieux. Pourquoi? Tu crois que j'ai peur de toi? Non. Mais vous le devriez. Type du combat c'est hyper bien, je trouve que c'est vraiment violent et c'est genre c'est bien fait quoi, les esquives, surtout les esquives et les contre-attaques comme ça, c'est vraiment bien fait, c'est réussi. Vous abandonnez? Jamais. Toujours aussi sûr de Allez. Toi, t'as un couteau c'est ça? Ouais, j'en ai pas peur hein. Ah là. Ah oui, voilà. Oh, ça c'était fort. Que se passe-t-il ici? Capitaine. J'attends vos explications, monsieur Kenway. C'est mal. On s'entraînait juste un peu pour passer le temps, capitaine. Et si vous passiez plutôt votre temps à faire ce pour quoi on vous paye? Vous vous croyez sur un navire de plaisance, fainéant? Je dois vous parler, monsieur Kenway.
Ah, je l'ai oublié. Voilà votre couteau. Je ne vous apprécie pas, monsieur Kenway. Depuis que vous êtes à bord, je n'ai eu que des ennuis. Je n'en suis en aucun cas la cause, capitaine. Comment osez-vous ? Vous êtes un chef mesquin, irascible et cruel. Je comprends pourquoi votre équipage vous méprise. Écoutez, peu m'importe votre avis. En fait, j'ai besoin d'aide. Ah, quelle ironie. Je suis convaincu qu'une mutinerie se prépare. Mon Dieu, c'est surprenant. Je ne peux me fier à mes hommes. Vous seuls pouvez m'aider. Donnez-moi une raison de le faire. Si mon équipage me trahit, vous n'aurez plus aucune chance d'arriver vivant en Amérique. Alors, que décidez-vous ? Si ce que vous dites est vrai, alors je n'ai guère le choix. Merci. Mais écoutez-moi bien. Si vous osez me menacer ou m'insulter à nouveau, je n'hésiterai pas à vous trancher la gorge. Oh. Suis-je fait comprendre ? Fort bien. Regarde sa tronche. Il est terrifié. Bonne journée. D'accord. Bon. On y va, on va continuer. Retournez à votre cabine pour terminer la journée. D'accord. Je tiens à vous dire que je ne vais pas certainement finir les séquences à 100%. Parce que, bon, je tiens pas à faire les quêtes annexes. Parce que ça va être hyper long. Sinon, on n'en finira jamais. Donc voilà, c'est pour ça que je vais pas faire. Je vais pas finir toutes les séquences à 100%. Enfin, pour être plus sûr, je vais pas finir toutes les séquences à 100%. Parce qu'il y en aura plein, et donc voilà. Il a une belle écriture quand même. Voilà, ah, il fait nuit. 28 jours. Moi, je vais perdre ma tête 28 jours sur un bateau comme ça. C'est hyper dur. Monsieur Kenway. C'est insupportable. Plutôt. Capitaine. Quoi qu'il mijote, je crois qu'ils vont bientôt passer à l'action. Il est temps que je m'en occupe. Ce qui se passe, j'ai pas compris là. Il a encore réduit nos rations. Il dit qu'on n'a pas assez de vivres. On est en train de changer de camp. Mon brave, j'ai des questions à vous poser. Tant mieux pour vous, mais j'ai pas le temps de bavarder. Puis j'ai rien d'intéressant à dire. Si vous voulez des nouvelles, allez voir le cuistot ou le docteur. Tout le monde cause avec eux. D'accord, on va voir le docteur. Comme c'est... Donc on va voir le docteur s'il est là-bas ou pas, sinon on va parler au truc. On va aller essayer. Docteur, auriez-vous un moment pour parler ? Êtes-vous tombé malade ? Rien de tel. Je me demandais si vous aviez entendu des rumeurs sur ce qui se trame à bord. Quel genre de rumeurs ? Des récriminations inhabituelles, des hommes qui se plaignent du capitaine ou des passagers. Je croirais entendre Jet. Je suis navré, mes recherches m'ont trop accaparé. Pour que je remarque quoi que ce soit. Et où pourrais-je trouver ce James ? À la cuisine, je pense. Si vous voulez bien m'excuser. Donc, on va voir James comme ça. Allez, on y va. Non, j'ai pas le temps de jouer avec lui. Voilà. Êtes-vous James ? Ouais. Et Tam Kenway, ravi de vous rencontrer. Je sais qui vous êtes.
J'aimerais vous poser quelques questions. Je m'y attendais, mais pas ici. Suivez-moi. Est-ce que vous voulez savoir ? Avez-vous vu ou entendu des choses inhabituelles depuis notre départ ? Y a-t-il une raison de s'inquiéter ? J'ai vu certains matelots se réunir sur le pont, en pleine nuit. J'ai pas vraiment entendu ce qu'ils racontent, et je n'ai aucune idée de ce qu'ils manigancent. Mais à mon avis, ça annonce rien de bon. Ont-ils l'intention de se mutiner ? Tout ce que je sais, c'est qu'ils détestent le capitaine. Niels a tenté de les calmer, mais... c'est sûr qu'il n'arrivera pas à grand-chose à lui tout seul. Merci pour ces informations. Tout ce que je veux, c'est arriver en vie dans les colonies. D'accord, donc là, il y a des choses un peu étranges. Je sais pas ce qu'il y a. Bonsoir, monsieur. Tout va bien ? Bonsoir. La nuit est calme, comme je les aime. Que faites-vous sur le pont ? Une simple envie de me dégourdir les jambes. Rien de plus. Regardez où vous mettez les pieds. Le pont est un endroit dangereux la nuit. Qu'est-ce que c'est ? Quelqu'un jette des barils à l'eau. Mais pourquoi ? Comme j'ai dit, toute cette histoire, ça devient de plus en plus étrange. Donc on va voir qui fait ces choses-là et pourquoi. On va le voir. Et on va le trancher la gorge. Écrit. Ah d'accord. L'eau est magnifique. Franchement, ils ont bien fait l'eau avec tous les reflets qu'il y a et tout. Non, c'est bien fait. Franchement, c'est bien fait. Je trouve que c'est bien. Voilà. Du nouveau ? Chaque nuit, c'est la même chose. Je patrouille un secteur, mais ils jettent les barils depuis un autre endroit. Je vais devoir recruter une autre paire d'yeux. James peut-être, ou Mills. Mais pourquoi font-ils ça ? À mon avis, ces barils servent de repère. Et ils laissent une piste. J'ai bien peur que ceux qui nous suivent n'aient l'intention de... Navire en vue ! Il se prépare à faire feu ! Tout le monde à son poste ! Armé ! Attention ! Touchez-vous ! Touchez-vous ! D'accord, on nous attaque alors. Ils ne veulent pas nous couler, mais nous aborder. Tous aux pièces ! Au poste de combat ! Descendez au pont inférieur ! Pourquoi ? Laissez-moi aider à défendre le navire. Vous savez créer une voile ? Charger un canon ? Vous battre en mer ? C'est ce que je pensais. Alors retournez dans votre cabine. Vais-je devoir vous faire escorter ? D'accord. Fermez les coutilles ! Ah, ça devient de plus en plus... Il y a de plus en plus d'actions. Et vous montez sur le pont. Un navire s'apprête à nous aborder. C'est curieux. Il n'y a aucun signe de mutinerie. Ça n'a aucun sens. Aussi, au contraire. Que voulez-vous dire ? Tu pensais pouvoir fuir Londres si facilement après ce que tu as fait à l'opéra ? Qu'on ne le remarquerait pas ? Qu'on ne te ferait pas suivre ?
Ah, c'est donc de cela qu'il s'agit. Ah, c'est lui, alors. Et je veillerai à ce qu'on te traite avec honneur. Si tu veux me traiter avec honneur, donne-moi une lame. Es-tu vraiment sûr de vouloir te mesurer à moi ? Allez, un petit combat. Un contre un. Combat en mer. Voilà. Un duel plutôt. Allez, on va le défoncer. Ne vous inquiétez pas. Let's go. Allez, bien petit. Je vais te désarmer. On va le désarmer. Voilà. Voilà. Bien, ta gueule. Allez. Ah, faut le tuer alors. Oh, regardez-le, comme il était allongé. C'est vraiment... C'est vraiment... Attends. Le pire, c'est la défense avec le bouton A. Voilà, on a fait. Alors, on va... Voilà. Oh là là là, c'était propre. Ça, c'était propre. On l'a tué. Je vous ai dit de rester en bas. J'ai obéi à votre ordre, mais Mills m'attendait dans la cale. C'est lui qui a attiré ce navire. Il n'y a pas de mutinerie, il a agi seul. Que veulent-ils ? Moi. Alors qu'ils vous prennent ? Vraiment ? Ils vont nous rattraper. Nous ne pouvons rien y faire. J'ai peut-être une idée. Vous voulez que nous voguions vers la tempête ? C'est notre seule chance. Je m'y refuse. Alors je le ferai. D'accord, j'obéis. Alors, il est venu tuer ce personnage. Il hein. Est venu tuer. Alors, je me demande bien. En fait, je me demande bien où est-ce que. Qu'est-ce qui est. Enfin, notre personnage, Connor, qu'on avait l'habitude de le voir souvent dans les trailers et dans il les bandes annonces. Je trouve pas. Vous avez dit que c'était de la folie. Peut-être qu'il va arriver après mon moment donné dans l'histoire. Et là, on sait. Je sais pas trop là. Et un autre personnage, c'est un peu bizarre, il n'a pas les costumes, bah, non, c'est ça. Enfin, c'est vrai que c'est encore le début, mais voilà, on n'a pas encore l'habitude, on n'est pas encore entré dans l'histoire, c'est pareil. Et peut-être qu'après, ça va devenir de plus en plus intéressant. Mais voilà, c'est le début, quoi. Donc là, on va entrer en plein milieu de tempête pour fuir d'autres navires. Alors là je suis en train de tirer des machins là, sécuriser les, je sais pas quoi, les voiles je crois. Ouais ça reste sûrement les voiles. Ouais voilà, c'est dur à l'époque. Non bon, allez vas-y, on va. Allez sécuriser la corde. Vas-y, on va se poser la corde. Allez, on court. Allez, tire, pousse. Regardez la pluie. Regardez les vagues plutôt comme c'est bien fait. C'est vraiment réussi. Allez, on doit monter là-haut alors. Allez, on va grimper, on va faire un assassin, on va grimper là-haut. Allez, hop. Allez, vas-y. Allez, le bateau, il y a le navire là. Regardez la mer. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique. Bon, et ben on va arrêter de parler. On va déployer le voile. Allez. Ah ah. Ah, il se fait électrocuter le cul, les gars. Bon, il va mourir ou quoi? Ouais, il va mourir. Bon, c'est pas grave. Ah non, on va te sauver, non? Ah si. Ah, c'est pas grave, vas-y, tombe.
Allez, on court, c'est pas grave, on est vivant. On va sauter, on va courir. Allez, hop. Merci. Gagné. On a fait couler l'autre navire et nous on a réussi, bien sûr, grâce à Ethan, sinon Ethan Kenaway, comme on le dit. Et voilà. 72 jours, 72e jour plutôt. Et on est encore sur le navire. Très beau. Je pense qu'il donne aussi exactement, pas exactement, mais presque les mêmes données qu'avant. C'est-à-dire que si vous voulez traverser l'océan Atlantique, il vous fallait 72 jours. Bon, allez, il est fatigué, Kenaway. Il mange des biscuits. Qu'est-ce qui se passe? Les bruits aussi, je trouve qu'ils sont bien faits aussi. Parce que on entend toutes sortes de bruits là. Des oiseaux, des grincements de bois. Tout. Préparez-vous à accoster, matelot. Accoster? Il n'y a aucune terre en vue. Juste cette brume. Les cris des mouettes en disent long. Grimpez au mât et voyez par vous-même. Il est où le mât? Grimpez au mât alors. On est arrivé, je pense. Hein. Bienvenue au nouveau monde. Assassin's Creed 3 vous présente. Je suis sûr qu'il va y avoir. Parce que j'ai déjà joué cette partie en fait. Pour ne pas. Bon, voilà. Moi, je vais vous laisser voir hein, si c'est vraiment magnifique. C'est à chaque début de cette série, il y a cette petite cinématique. Fameuse cinématique. Bon, je vous laisse écouter cette musique magnifique. Donc voilà, on a fini cette petite séquence avec cette musique magnifique. Et donc voilà, je pense que je vais m'arrêter ici. Et donc pour cette nouvelle pour cette fin de séquence, de cette première séquence, on va s'arrêter ici. Et donc je vais vous dire au revoir pour la prochaine séquence. La deuxième séquence, enfin. Et qui va être le playthrough. Voilà, on a commencé cette deuxième séquence. On est arrivé à Boston en 1754. Et donc voilà. Master Kenway. Master Kenway. Attendez. Oui, que puis-je faire pour vous? Charles Lee, sir. Ravi de faire votre connaissance. On m'a chargé de vous montrer la ville, de vous aider à vous installer. C'est inutile, sir. J'ai pris soin de faire livrer vos bagages à l'auberge. Serais-tu le fils de John et d'Isabella? Donc voilà, on va s'arrêter ici pour cette séquence là. On a fini la première séquence et là, bon, attendez, je retourne en arrière. Voilà, je voulais vous dire que voilà. Attendez. Voilà, on est arrivé ici. On a commencé la deuxième séquence et donc on va s'arrêter ici. Et je l'aurai 150e millième fois. Je vais m'arrêter ici. Et que voilà ce playthrough numéro 2
deuxième épisode de ce playthrough va s'achever ici. Donc, bon, voilà. Je vous dis au revoir à la prochaine playthrough et la prochaine épisode de ce saga, ce magnifique jeu que j'attendais depuis longtemps. Allez, ciao tout le monde.